Salut à tous, c'est Dragon 700 et... Monsieur X-Ray. Et bienvenue dans la première vidéo de... Sexy Second. Alors normalement on dit le nom de la chaîne. Troll Gaming. Arrête, il va se défoncer les cordes vocales. Bon, oui on est sur Sexy Second. Oui, on a déjà commencé une partie mais elle est nulle à chier. Oui, on va recommencer. Et non, tu me juges pas. Apocalypse. Et on te propose du Star Bomba avec Ted uniquement et le minimum pour fucking survivre. En fait, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout miser sur la première expédition. C'est-à-dire que le minimum pour survivre pour nous, c'est masque à gaz, bouteille d'eau, enfin une seule bouteille d'eau. Le cadenas. Et le cadenas. Pas le cadenas parce que si voilà. On n'a pas le cadenas, on risque pas vraiment de pouvoir sortir. Je te laisse commencer, je lui file les manettes et moi je vais m'occuper de me branler. D'accord. Oui, je claque dans mes mains. Non, c'est pas drôle. Et oui, je cherche un masque à gaz en ce moment, mais c'est pas la question. Hey. Alors, essaie de repérer le cadenas. Oh merde, c'est vrai, on est en star. Putain de merde, faut qu'on trouve le cadenas. Putain, frère, le cadenas, c'est... Oui, il prend la valise. Ramène les cams. Hey, star fou, là, il est con, celui-là. T'es même pas arabe. Faut qu'on trouve le cadenas, absolument. Et j'ai trouvé. Ah, je vois, ouais. On a dépensé plus de temps à trouver le cadenas et je viens de réaliser qu'en fait on peut voler le livre de notre femme. Mais ensemble avec lui. Allez, maintenant faut qu'on aille survivre. Mais qu'est-ce que tu fais? Va survivre, on a pas de soupe, on a rien. Non mais quand je disais le minimum pour survivre. Mais non mec, il faut un minimum de bouffe. On a même pas de le fusil. Non mais mec, quand je te dis. Mais la carte! Prends la carte, c'est le minimum! La carte, c'est le minimum! Prends pas ta femme. Oui, bah non. Ta femme, c'est une sale pute. Elle t'a trompé avec Jean-Edouard de la Comta. Qu'est-ce que tu fais? Bah, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va exploser! Bon, on a tout le temps. La bombe va t'exploser. Adieu les enfants! La carte minimum de la survie. Quand je disais minimum de la survie, c'était vraiment minimum du minimum du minimum du minimum. Mais là, c'est même pas le minimum que t'as pris! Pour moi, minimum, c'est genre les objets importants! Et la carte est importante! C'est vide. On a une bouteille de fucking water. C'est dit, on la dépense maintenant, la bouteille? Non. Ah, oh, t'es chiant. Allez, il est tout seul. On n'a pas de bouffe, on n'a pas d'eau. On est mort. Et bienvenue, Jackie la chaussette, Jackie la chaussette. Ah merde, j'avais oublié. T'avais oublié Jackie la chaussette? Et n'oublions pas la petite tradition. Chapeau! Tu trouves qu'il ressemble à quelqu'un? Non? Avec un petit peu plus de bobard. Ouais. Vas-y, dis-nous à qui il te fait penser. John Price. Voilà. Il nous faut maintenant... C'est avec un peu d'imagination, beaucoup d'alcool et un peu de LSD. Beaucoup d'alcool dans le sang, ne l'oublie pas. Je te jure, il se met à être fatigué, je le baise. Oh, c'est bon, il est pas fatigué. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Ted va partir, masque à gaz, pique sa mère. C'est dingue, on a fait très vite le tour en fait. Allez, et n'oublie pas de mettre le cadenas. Il a ramené plein d'eau. Et pas de bouffe. Et plus de masque à gaz. Et épuisé. Et perdu le cadenas. On est clairement dans la merde. On a fait la pire partie. Et on... Oh non. Le jour 9, il est mort. Il est mort, il a pas de bouffe. Bouffe la mouche, bouffe la mouche. Il est mort. Il est mort. Le plastique, ça se bouffe ou pas? Non. Je suis obligée de lui dire tout ça tout le temps parce qu'en fait, si ça continue, il bouffera le masque à gaz. Bon bah c'était la fin de cette très jolie partie. On en retente une autre. Nous sommes tombés sur le reste d'un campement de pillards. Allez bah tiens, on a fait Charlie Kaufman pour quand nous pour notre mort. On est malheureux. On est malade. On va mourir demain. Eh, combien tu paries on meurt demain? Moi je parie on meurt jour 13. Ok, on va voir qui a gagné. Grande ambition, tu sais.
J'ai... What? Qu'est-ce qui est arrivé à notre campement? Ça, c'est pas normal. C'est toi, chien keuf, t'as pissé partout? Bon, on en relance une. Oui, on est obligé, mec. Sinon, on va la jouer un petit peu plus simple. Vous n'avez pas survécu. Cucurbitacé. Alors, je précise que c'est un très bon record pour lui, parce que son record, c'est un jour. Il est mort le jour de l'explosion. Non, moi, mon record, c'est jour 35. Arrête de mytho. Non, arrête. C'était moi qui dirigeais tout. En toi que je t'ai laissé faire, c'était jour 1. Je t'ai laissé faire une partie en entière. Genre, je le laisse, je le gueule pas. Je lui dis pas, prends ça. Et il est mort. Bon, allez, on va pas jeter des fleurs. Surtout quand j'ai raison. Et tu sais quoi, je t'avais promis que peut-être que je te ferais gagner ça. Alors, peut-être que je ferais chaud devant ou l'armée de Ted. Ça peut être bien. L'armée de Ted, c'est quoi? Ça va être un défi où je pense qu'il va falloir récupérer des trucs militaires. Genre le fusil, les balles, les trucs comme ça, je pense. Et il va falloir que je fasse ça dans un certain temps. Alors, on fait quoi, Fatman ou on part en Little Boy? Non, vas-y. Fatman quand même, pour que la vidéo soit pas trop longue mais pas trop courte. Et veux-tu que je commande entièrement cette game? Vas-y. Ok. Vous allez voir comment jouer un pro gamer sur sa Ox Racer. Zizan Pampan. Ok, ici on a déjà les medikits et on a une petite figurine de Ted. Oui, ça c'est une petite figurine de Ted. Est-ce que c'est censé être un easter egg? Pas du tout. Ah merde, c'est vrai, ça peut le dire. Oh. Oh. Help, help, help. On retourne là-bas. J'ai entendu notre fille réviser. Ce n'est pas bien, chérie, ne révise jamais les cours. Eh, le fusil! Mais bien sûr, le fusil! N'oublions pas qu'on est corse ici! Même pas du tout, en plus. Moi, je suis corse. Voilà, maintenant on apprend des choses sur toi. Vraiment, ça nous passionne! Mais vraiment, ça nous passionne! Non, on prend pas. Non! Jamais, Chimie, je voulais le livre de Boy Scout! Et ça! Limite! Papa, sauve-moi! Non, mais je peux pas te prendre, je veux prendre les autres cartes! Attends, prends la hache, prends la hache! Et j'ai pris la hache! T'as pris Mary Jane? Et un feeling. Non, mais feeling. Va prendre la carte. Je sais pas la carte. Je sais pas où elle est. Là-bas. Trop tard. Et un feeling. Il y a moyen qu'il nous la loot en Fatman. Il y a moyen. Oui, un feeling. En vrai, j'ai l'impression que quand il y a la carte, comme elle occupe une grande partie, j'ai l'impression que l'abri est déjà un peu moins vide, tu sais. Ouais. Yes, we got the feeling. Et ils nous ont filé. Non, Kana, c'est moi qui l'ai pris. Oh, la soupe chou. Ok, il y avait que la carte. Et insecticide. Nous sommes jour 1. J'ai oublié de prendre ma famille, mais j'ai un cadenas. En fait, cela sens. Suffirait. Je la sens très bien cette partie. Parce qu'il y a Jackie Jouchik. Et merde, on n'a pas pris la radio. Je la sens bien, mais je sens qu'en fait on va la gâcher comme des cons. Jackie, la chouchette. Eh, devine c'est quoi mon film préféré? Je sais pas. C'est saucisse et saucette. La saucisse et les chaussettes. Voilà, pour tous les mongols qui n'auraient pas compris. Ah, ça va remettre notre santé mentale. Allez, non mais on veut pas, on veut qu'il y ait toujours Jackie. Ah, il y a toujours Jackie. Et il y a la photo de Terry. Et il y a la photo du pédophile qui se met derrière des enfants qui sont l'air d'avoir une tête bizarre. Lucille, pourquoi vous faites ça, monsieur? Donc, on va équiper Ted avec... Masque à gaz. Le masque à gaz, très bien. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui ont équipé le mec qui partait en équipe, en expédition, avec le medikit? Oui. Oh, il y a une petite photo, la photo de famille, avec que Ted dessus, parce que personne d'autre a survécu. D'ailleurs, elle a été faite sur un tabouret qui se trouve juste à côté de sa table. Et on a perdu notre cadien, mais on a regagné notre masque à gaz, et on a regagné de l'eau, et on a gagné ça avec un dessin de Mary Jane.
Et on est jour 9, donc je te donne pas à bouffer. Donc je peux pas prévoir faire d'expédition. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise. Alors cette valise peut soit nous donner un truc, soit exploser. Alors on peut se tenter le coup parce qu'on a le medikit. Et on est en Fatman. Arrête de sucer cette saucette. Allez, pique-nique, douille, c'est vas-y. Toi l'andouille. C'est toi la douille. Ah. La douille de fusil. Ah. Le fusil qu'on a. Ouais, il est malade. Et Jackie aussi. Et comment il a fait pour ajouter ça? Attends, mais il est même pas blessé, c'est-à-dire que en gros, c'est même pas la valise, c'est en ouvrant la porte. Beurre, on a trouvé de la soupe à l'intérieur de la valise, mais elle était périmée depuis longtemps. On a tout débarbouillé. Certains d'entre nous ont vomi leur trip. Oh merde, ils l'ont bouffé, c'est con. Bon, on est jour 10, donc on lui fait l'intégrale. Hein. Ah oui, hein, vous pouvez nourrir tous les 10 jours et lui donner à boire tous les 5. Nous sommes tombés sur le reste d'un campement de billard. Charikov. On fera mieux connaissance avec lui. Charikov. Gérard Depardieu x2. Non, franchement, regarde, on dirait Gérard Depardieu. Je sais pas du tout pourquoi. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Regarde-moi ce pif. Ça lui fait quel âge à GG? 57 ans. Il a que 57 ans de Depardieu? Je sais pas. Non, parce que j'ai vu des films avec lui qui datent des années 80. Ouais. Et il devait déjà bien avoir 30-40 ans. 85 ans. Oh. À 85 ans, toujours prendre. Plus vieux que le papé. Que le papé? Que mon grand-père. Que ton papé? Et je sais pas, on appelle ça comme ça. Jackie la chaussette. Et on peut quand même voir l'art d'un artiste, hein. C'est ça, c'est l'âme. L'âme d'un artiste né. Regarde-moi ça, ça exprime l'enfermement, c'est un dégribouillage de merde. Ah, le téléphone. Est-ce que l'on envoie notre chère Mary Jane? Non. Ah, mais elle n'est pas là. Et si on envoyait Ted? Non. Très bien. J'espère que vous nous entendez bien parce qu'on s'éloigne du micro. Ouais. Alors je vais rapprocher le micro de faire sorte à ce que vous nous entendiez encore mieux. Et arrête avec mon putain de pouf. Mais il glisse. Mais ta gueule, je te laissais le choix entre la chaise et le pouf, t'as choisi le pouf. Donc tu te plains pas, ça va. Ouvrez au nom de la liberté! C'est ce qu'on a entendu ce matin. On ne savait pas qui était ces soi-disant justiciers. Mais c'était sûrement un groupe armé jusqu'aux dents. Ceux qui se présentent ainsi ont probablement pas peur de tuer au nom de la liberté. Est-ce qu'on leur ouvre? Non. Allez, on ouvre. Non. Allez, on ouvre. Non. On ouvre? Non. On ouvre? Non, oui. Votez dans les commentaires si vous voulez qu'on ouvre. Même si c'est complètement con, puisqu'on le lira bah, parce qu'on est en train d'enregistrer maintenant et qu'il n'y a pas encore les commentaires. Alors non, on l'écoute. On écoutera. Non, on écoutera. On écoutera, merde. Il connaît pas son français. Il est tout pourri. Le mec, quand on lui dit on écoutera, il pense on écoute rail. Il est bizarre. On écoute du rail. Tu écoutes du rail. Je tiens à préciser. Non. Il écoute du rail, sa sœur écoute de la K-pop. J'écoute pas de rail. T'écoutes du rail. Arrête de mentir. Toi, ta vie, c'est Joule. Ça a zéro rapport, mais Joule. Et je suis en train de faire le symbole de Joule derrière l'écran. On m'appelle Pipi. Charikov est un nouveau membre de la version. Donc nous devons l'avoir avant. Croyez-vous ou pas, aujourd'hui, nous avons remarqué quelque chose d'autre sur son collier. Une adresse. Est-ce qu'on l'envoie chez le pauvre mec à qui il appartenait? Ou est-ce qu'on le garde? À toi de choisir.
Eh bien, nous allons faire baguer ou pas baguer. J'ai niqué mon PC et en plus c'est oui. En plus c'est non. C'est une sucette. Le jour 16, nous avons légèrement de la barbe. Ah, ça commence à ressembler petit à petit, hein. Comme 13, défoncé. Oui, à la cocaïne. Bah, John Price, tout simplement, alors. Nous ne pensions pas avoir vivre assez longtemps pour recevoir des cafards. Oh, l'insecticide ou le Boy Scout ? Boy Scout. Ok. Parce que l'île de Boy Scout est utilisable plusieurs fois. Vous ne voyez pas, mais je fais un énorme doigt d'honneur à Ted. Non, mais sérieux, sale petit en... Ah, par contre, on a oublié. Alors, sachez que quand ils sont malades, ils ont besoin plus vite de bouffe et d'eau. Alors, le truc que je te propose, mon ami... Toc, toc, toc. Quand quelqu'un frappe à la porte, on peut s'attendre à tout. Mais la curiosité n'est pas toujours un vilain défaut. Qu'est-ce qu'on fait ? Surtout dans l'apocalypse, bah, on vient en autarcie. Bah attends, on a un truc pour faire le médicit au pire, mais... Ouais, mais il faut le vendeur. Ah putain, il y a une coccinelle à la fenêtre. C'est génial. Chez moi, il y a une invasion de coccinelles. Elle est géniale, ta vie. Charlie-Cab a l'air vraiment d'apprécier notre damier. Allez, on le laisse jouer avec. Adieu, damier. Et la santé mentale ? Bah voilà ta réponse. Il est malade. Il a une chaussette sur le bras. Prédiction, jour 21. Oh non, vas-y, on leur envoie une expédition, frère. Survie jusqu'à demain. Oh! 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 Oh, en plus, qu'est-ce que tu as? Folie? Malade? Alors, on te rend ton chapeau. Oh, en plus, il a le nez rouge de Depardieu. Le nez tout rouge. Bon, bah maintenant, c'est plus Price, c'est Reznov. Grand enculé. Allez, on va t'envoyer avec... Ce que je te propose, avec ta jolie c'est le carte. Titre de la vidéo, c'est on a joué avec Depardieu, Reznov et Price. Vous avez le... Si vous avez ça comme titre, vous savez quand est-ce que ça nous est venu l'idée. Allez, on y va mon ami. Yes. On s'est fait voler notre truc. J'avais oublié qu'on avait plus de cadenas. Alors ça, c'est l'écran de fin de quand on a fait voler par les militaires. C'est-à-dire que les militaires, là, ils sont venus. Ils ont dit à notre facteur bonjour, il n'y a pas de lettres s'il vous plaît, et ils nous ont volé notre truc. Et je réalise que c'est une porte en bois qui a survécu à une explosion. Ouais. Et voilà. On a gagné des munitions. Ouais. On a gagné des munitions, c'est génial. Le gouvernement a revendiqué notre abri. Fin. Culé de gouvernement de mes couilles. En plus, il disait qu'il faisait confiance à l'oncle Sam. Vous avez été chasseur. Et on a survécu 27 jours. C'est nul. Ouais. Mais bon, de toute façon... Et tu sais ce que j'avais prédit ? Que jour 21, c'était la fin. Et pile poil le jour 21, c'est fini. Bon, on finit la vidéo là ? Ouais. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, liker si ça vous a plu, et je te laisse finir. Bisous. Très bien. Bon, bye bye.